Wow les amis, comment ça va? Content de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. On a bien travaillé ce matin. On a réalisé, alors vous voyez ce qu'on a réalisé là. Donc ça vous connaissez. Et ici, il va falloir deviner un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce plat original. Franchement, ça sent super bon. Il me tarde de goûter les amis. Je compte sur vous pour deviner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très facile à réaliser. Et franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses. Donc on se connecte tout de suite. Allez, je me connecte tout de suite pour vous. On va voir un petit peu qui est là. N'hésitez pas les amis, hein. Allez-y, bombardez la barre de like. Allez-y sur les pouces bleus, ça fait énormément plaisir. J'espère que vous allez bien les amis, je suis content de vous retrouver. Demain matin, il n'y aura pas de recette demain matin parce qu'on va faire une recette à l'après-midi, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, pendant le chat, dites-moi si vous voulez du sucré ou du salé, hein, d'accord? Alors, je suis en train de chercher ma vidéo là, j'ai la wifi qui rame. D'accord, ok, on va se reconnecter. Oui, c'est ça les amis, hein. Je me reconnecte sur mon ordi. Hein. Allez, on se connecte tranquillement. Donc, alors dites-moi les amis, essayez de me dire dans quel pays vous vous trouvez et dans quelle ville vous vous trouvez les amis. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés avec qui je discute, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont en fait, où est-ce qu'ils sont situés donc, géographiquement. Et ça, j'aime bien le savoir. Pour un petit peu vous imaginer, ok. Allez, là je baisse le son. Ok, super. Vous avez vu, hein, donc sur la miniature, ma mère vous a réalisé le goûter de mon enfance, les petits cakes que ma mère me faisait quand je rentrais de l'école à 16h. Sincèrement, ça c'est vraiment une tuerie avec le café, avec le thé, le café au lait. On se régalait, c'était dinguissime. Faracha, bonjour. Abdoul, bonjour. Aziza, bonjour. Loachi, Shafia, bonjour. Leslou, bonjour. Marie Chouquet, toujours là, Marie. Ah, ça fait plaisir. Enagrome, bien sûr. Salut, Enagrome. Yasmine qui est là. Les Martiens arrivent en soucoupe. Attention, ils vont vous emporter. Oh là là, en forme. Enagrome, comme d'habitude. Raptor, le modérateur de la chaîne Cuisine Rapide. Comment ça va? On a Dodo Adida qui est là. Clarisse qui me regarde certainement. Clarisse, coucou. Paola, coucou. On a qui encore? Leslou, Ronald. On a, oui, un peu de bleu pour Abino, exactement. On a Corinne qui est là, Corinne Gonzalez, que je vois dans mes commentaires depuis quelques temps. Ça fait énormément plaisir. Yanis qui est là. On a Denise. On a Mafouda qui est là. On a Dodo, Raptor, donc Dylan, Raphaël, Zaratou. Alors, vous êtes nombreux, les amis, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein. Lâchez les pouces, les amis. Franchement, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les recettes que l'on a réalisées. Donc, n'hésitez pas à me dire, ouais, région PACA, dites-moi d'où vous êtes, dans quel pays vous êtes, les amis. Hein. Donc, là, je vous rappelle, ici, on a réalisé les cakes. Qui connaît les cakes, les amis? Les cakes, on les réalise au Maroc, en Algérie, en Tunisie également, les amis. Donc, dites-moi si vous connaissez, si vous en avez déjà goûté. Ma mère vous a réalisé ça ce matin. C'est facile, comme salam alaikum. Et en plus, c'est délicieux. Quand j'en ai goûté un tout à l'heure, enfin, ce que j'ai pas goûté, c'est ça encore, le plat original. Mais le 4, j'en ai goûté un tout à l'heure, je suis replongé en enfance, dinguissime le truc. D'ailleurs, il me tarde à la fin de la vidéo de me faire un petit café au lait avec ma mère. Et ma femme et mes enfants vont se faire un petit goûter. Génialissime. Alors, je vous remontre un petit peu le petit plat original. Devinez ce qu'il y a au fond du plat original, je vous montre. Vous voyez? Devinez ce qu'il y a un petit peu dessus. C'est plein de couleurs, c'est vraiment une recette d'été. À emporter donc soit en pique-nique, soit en terrasse, soit dans votre jardin, franchement, ou à la plage, vous allez vous régaler. Ça sent super bon, c'est très très original et c'est réalisable avec les ingrédients que vous avez chez vous, dans votre placard et dans votre frigo. Ok, Isaac, bonjour. Russie, Moscou. Isaac, il est de Russie, de Moscou. Comment ça va, Isaac? Ça va bien? Yasmine, Mafouda, on a Raphaël, Dylan. Alors, Loachi, Shafia, Aziza. Alors, Yanis qui est là. Zoubida qui est là. Salut Zoubida. Il y a André, Niot, Akima. Les amis. France, Reims. Oui, je sais que tu es du côté de Reims, Enagrome. Je t'avais envoyé un colis une fois parce que tu avais gagné un concours. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, tu dois te rappeler, certainement. Courgette. Poulet avec tomate et viande hachée. Il n'y a pas de poulet. Ah, roulé, pardon. Roulé, tu l'écris comme ça, toi? Tu me fais peur, là. Oh là.
Alors, habite en Algérie, Constantine Yanis. Bonjour l'Algérie, bonjour Constantine. Courgettes avec le poulet et avec tomates et viande hachée. Oui, mais pas que, il y a d'autres choses encore dedans. Essayez de trouver ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Hein. Essayez de le faire vite parce que j'ai faim, moi j'ai pas mangé encore. Il faut absolument que je goûte ça. Plus tôt vous aurez trouvé, plus tôt je vais pouvoir goûter, les amis. Hein, d'accord? 4K qui dit: j'étais en train de visionner les vidéos du Maroc d'il y a 3 ans. Super le chameau, caramel, noix de coco. Là, ce jour-là, vous n'avez pas vu, mais après la vidéo, les gens ils étaient morts de rire sur la plage. Ils me demandaient: mais qu'est-ce qui t'a pris de cuisiner sur un chameau? Allez voir la vidéo où je cuisine sur un chameau il y a 3 ans. C'était en vacances au Maroc, à Sédia, vers Marinia. Non, pas Marinia, c'était vers Marina. La Marina, c'était. Ok? Alors, Karjad, salam alaikum, Nicole, Nomer, la Martinique, salut la Martinique, gros dédicace pour la Martinique, les Antilles, l'île de la Réunion, Mayotte, l'île Maurice, l'île de la Réunion, tu peux dédicacer Yanis, oui, Benalla, Benassa, Yanis, Benassa, grosse dédicace pour toi. Baya, combien coûte ton livre? Le livre il coûte 12,90 €, je ne gagne que 40 centimes par livre, je récupère les droits d'auteur dessus, hein, d'accord? Ok, tu peux le trouver à la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, ou alors tu vas directement chez ton libraire et tu lui demandes de le commander en lui expliquant le titre du livre. Hein, ok? Merci beaucoup, Yalice me dit: Sawa, pomme de terre. Non, il n'y a pas de pomme de terre. Tomate, courgette, oignon, poulet, pas de patate dedans, les amis. Sawa, il n'y a pas de pomme de terre dedans, hein, d'accord? Salam à toi, pâte feuilletée roulée, viande hachée. Oh, Cyrine, non, non, il n'y a pas de pâte feuilletée là-dedans, là, Cyrine. Ok. Rappeur du 59 de Lille, oui, ça fait plaisir. Alors, pouvez-vous faire une dédicace à mon papa Mohamed de Guillancourt? Oui, Mohamed de Guillancourt, grosse dédicace pour toi. Poivron, tomate, oui, on voit bien qu'elle est de tomate. Hein. Poivron aussi également. Un beau bonjour du Québec. Oui, Onzina du Québec, j'espère que tu vas bien. Abdoul, parle fort, je fais que ça, parler fort, vous m'entendez pas ou quoi? Artichaut, Marie, non, il n'y a pas d'artichaut dedans. Yasmine, roulé, poêle, c'est pas, j'ai compris Yasmine, très bien. Leslou, Madani, je suis du 59, donc de Lille, près de chez Raptor. Ok, rapproche le plat, oui. Ok, regardez-moi ça. Les amis, dinguissime ce plat, très original. Vous allez kiffer, c'est une tuerie. Vous allez vraiment vous régaler. Hein. Alors, tomates, courgettes, fromage, viande hachée, poivron, poivron, ouais, mais pas que, il y a encore autre chose dedans. Alors, Canada, tu m'oublies? Non, je t'oublie pas, Jade, Iliane, je t'ai pas oublié. Mans de la Sarthe, Cheyenne de la Sarthe, MS, le 93, tu regardes aussi le Tahiti et Tahiti. Oui, le 93 et aussi Tahiti, merci le 93 et merci Tahiti. Leïla, salam alaikum du 45. Piment merguez, il n'y a pas de merguez dedans, arrêtez vos conneries là! Laisse-nous fromage, oui, salam, Azul Flawel, ah oui, d'amen, from New Jersey, ok, les États-Unis, alors pour Mohamed. Les beignets ont l'air délicieux, c'est pas des beignets là, arrêtez vos conneries, c'est des cakes les amis! C'est des cakes, ils sont légèrement croustillants! Ma mère me faisait ça au goûter quand j'étais petit, on avait droit à ça, pour le goûter, les amis, on se régalait! Il y avait toujours des gens qui venaient chez nous en fait, qui n'étaient pas marocains. Et quand ma mère elle faisait ça, ils kiffaient, ils adoraient quoi. Non, ils mangeaient, on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais mangé en fait. Mais c'est tellement bon, c'est tellement facile à réaliser que vous allez kiffer. Les martiens, du martien farci. Et Nagrom, t'as quoi? T'es amoureuse des martiens ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe, Nagrom là? C'est sûr que c'est très bon. Oui, je confirme le prunelle, c'est très très bon. Claudine qui est là, coucou de la Vendée. C'est la première fois que je découvre ta chaîne. Enchanté Iman, salut Iman, enchanté. Enchanté, Cyrine, mort de rire. Allez, je sors. Je vois rien du tout. Reste là, Cyrine. Tu vas voir, je vais décortiquer tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous faire participer un petit peu pour que vous essayiez de deviner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur avant que je décortique. Parce que si je commence à vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas marrant. Il faut essayer de deviner. Ok? Alors, Kek, Bren, Oujda. Oui, c'est des Kek de région de Oujda, exactement. Bonjour. Alors, les claques, on en fait partout dans le Maghreb, mais chaque région a sa spécialité, sa façon de faire. Il y a des claques croustillants, moelleux, semi-croustillants, semi-moelleux, mais ils sont tous délicieux. Ensuite, tomate cerise, oui, une dédicace pour Tardaf, grosse dédicace à toi, Tardaf. Envoie les beignets dans un colis pour moi, s'il te plaît. Oui, MS, avec plaisir. Alors, Creative Experience me dit, je suis d'Oujda, oui, en force, Oujda, Afé, Belken, Sédia, vive le Maroc et l'Algérie.
La Turquie également, qui est là avec Zakia. Dav nous dit merci, trop cool vos recettes simples et rapides. Aminata, merci Aminata. Béatrice, j'aime beaucoup tes recettes, merci Béatrice. C'est pour ça que je me lève tous les matins, pour vous faire des recettes et pour vous faire kiffer. Et en même temps, vous transmettre un petit peu ma passion. J'aime trop vos vidéos. Oui, merci, ça fait plaisir. Yasmine qui devine encore les recettes, donc viande hachée, mozzarella, courgette, poivron, oignon, épices. Oui, mais il manque une base, les amis, la base, essayez de trouver la base. Mozzarella, olive, oui, Farès qui cherche d'où je suis. Pois chiche, chez nous en Algérie, on le fait avec des épices. Oui, très bien ça. Il y a des épices aussi dedans, hein. Des épices, c'est l'anis, hein. MS qui est là, toujours au rendez-vous. Maram, El Guardi, El Gouradi. Arrête, arrête, j'arrive pas à prononcer. Merci de nous faciliter la vie avec tes bonnes recettes. Continue comme ça, tu es excellent. C'est vous qui êtes excellent, les amis. Merci. Agneau, il n'y a pas d'agneau dedans. Oui, Mohamed. Fromage et chèvre. Non, curcuma et Nagrum. Tu t'es pas cassé la tête, curcuma, mais évidemment. Dans tous les plats que je fais, il y a du curcuma. Arrête tes conneries, Nagrum. Aubergine. Oui, aubergine. Il n'y a pas de riz dedans. Viande hachée, courgette, poivron, oui, ras alanout, comme d'habitude, ras alanout, dans le plat là? Non, non, il n'y a pas de ras alanout. Il n'y a pas de ras alanout. Salam, je m'appelle Ibatoul. Habite Marrakech, mais originaire de Rabat. Attends ton goûter avec impatience, tes recettes sont trop bonnes. Merci à toi. La petite nana, je vous suis depuis la République Dominicaine du Congo. Ok, la petite nana, j'espère que tu vas bien. Mafouda. Le semoule plus 12 épices, mais il est trop bon. J'ai pas compris. Tu peux faire une recette avec du camembert. Oui, mais là, il fait trop chaud. T'imagines, je vais faire une recette avec du camembert. Alors qu'il fait super chaud. Vous allez râler, hein. Le camembert, c'est plus pour l'hiver. Mais va voir sur ma chaîne, j'ai fait des recettes à base de camembert. Hein. Je crois que j'ai fait des pizzas à base de camembert. Enagrome, va chier, tu te moques de moi. Il n'y a pas de la vache partout. Non, 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 non. MS qui est mort de rire. Fais-lui des churros, c'est déjà fait, il y a des recettes de churros sur ma chaîne. Non, semoule de base, arrête tes conneries, c'est pas un couscous. Monsieur Men, tranché, farci. Non, 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 il n'y a pas ça. Géraldine, bonjour. Akima, oui, pas. Bonjour du Canada. Les amis, lâchez les pouces bleus, il n'y a pas assez de pouces pour le nombre de personnes que vous êtes. Hein. Tu es magnifique. C'est vous qui êtes magnifique. Moussaka Iman qui est mort de rire. Moussaka version Maghreb. J'ai déjà fait une moussaka, on peut faire une version Maghreb, avec plaisir. Il y a des olives, non, pas d'olives. Zakia, tuture, merci à toi. Dylan, ta coupure, comment va-t-elle? Elle va beaucoup mieux, regarde, on voit presque plus rien là. Je vais pouvoir reprendre mes poids de musculation, parce qu'à ce moment je faisais que du cardio. Je vais reprendre mes poids de musculation. Merci de t'inquiéter pour moi, Dylan. Hein. Purée de pommes de terre comme base, non, absolument pas. Bonjour de Montpellier, salut Véronique. Oui, Salwa, des pâtes de base. Oui, j'ai mis des coquillettes dessous. Il y a des coquillettes, mais coquillettes bien travaillées, pas juste cuites dans l'eau. Coquillettes travaillées avec des bonnes choses dedans. Franchement, les amis, vous avez trouvé. Bravo, bravo, je suis hyper fier de vous. Et en même temps, je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de me rejoindre donc à 16h. Je ne vais pas vous garder très très longtemps. J'ai pas envie de. Votre temps est précieux. J'ai pas envie de tout vous prendre. Je vais rester avec vous 30 minutes. Au moins 30 minutes. Comme ça, voilà, on va passer un bon moment. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9h le matin pour la recette. Quasiment tous les jours à 9h le matin pour la recette du jour. Et à 16h pour les lives. Où je décortique comme ça les recettes, et à savoir que le mercredi et le samedi, je réalise des recettes en live, ok? Pouce bleu, Toli, waouh, il me dit, salut Toli, salut Sam, Nicole, mais Rabinou, j'ai dit des pâtes, tu as dit des pâtes avant? Ouais, mais j'ai pas vu, je suis désolé, alors Nicole, c'est pareil, tu fais partie des gagnantes. Avez-vous la recette? Oui, j'ai la recette. Alors, ça, c'est des vidéos que j'ai faites aujourd'hui. Elles sont en cours de montage, d'accord? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quelle est la vidéo que vous voulez voir en premier? Est-ce que vous voulez voir le cake en premier? Est-ce que vous voulez voir la recette du. Oula, j'ai envie de compter dedans. Est-ce que vous voulez voir ça en premier? Ou la recette originale en premier? Vous me dites ça en commentaire et je vais me dépêcher de faire le montage assez rapidement pour vous. Ok? À savoir qu'avec mon verre, on a tellement activé au niveau. C'est activé au niveau des recettes. Que là, on se retrouve avec 22 recettes, les amis. 22 recettes non publiées encore. C'est dinguissime. Marie Chouquette, les deux. Non, il faut choisir un.
Alors, Yasmine me dit recette originale, Sonia originale, recette d'une semaine de Fatima. Oui, c'est en cours de montage, ça arrive, ça arrive. Dédicace à mon fils Imran, salut Imran, grosse dédicace à toi. Salam de Amiens, salut Malika. Tu appelles tes enfants les rabilous? Pourquoi pas? Un gâteau sans œufs. Un gâteau sans œufs. Ouais, j'ai fait des crumbles l'autre jour. Hein. Crumble aux pommes, il n'y a pas d'œufs dedans. Donc essaie de voir. En plus, j'ai fait en direct la recette. Donc essaie de refaire la recette si tu veux. Raptor, donc, qui est là. Claudine. D'ici, j'en ai l'eau à la bouche. Ça donne vraiment envie de goûter. Ça sent bon les quêtes, les amis. Hein. Ça, j'avais ça au goûter quand j'étais petit. Mais le problème, c'est que ma mère, elle nous a donné deux de chacun, pas plus. Mais ça, tu vois, moi, je démonte l'assiette, là. Avec un thé vert à la menthe ou un café au lait, je démonte l'assiette. C'est un truc de dingue. Mais je suis obligé de me contrôler, sinon je prends du poids. Ça, c'est dinguissime. C'est facile à faire, en plus. Le plat original, franchement, vous allez faire des heureux avec les deux. Non, faut choisir un seul, les amis, un seul. Alors, Selem, tu es déjà allé à Berkane? Oui, j'habite pas loin de Berkane. J'habite à la Fée, là. Berkane, je connais très bien. J'ai déjà été, j'ai de la famille aussi à Berkane. Rodriguez qui vient d'arriver qui me dit c'est quoi la recette? Ce sont les cakes de ma mère. Ma mère a réalisé une recette de cakes ultra facile. C'est le goûter qu'elle me faisait quand j'étais petit. Quand je rentrais à l'école à table, souvent il y avait ça comme recette. Et ici, je vous ai proposé une recette à base ici de légumes et de pâtes. Comme vous êtes nombreux à réaliser des pâtes à la maison, je me suis dit tiens, je vais leur faire des pâtes. Mais en même temps, je vais leur montrer comment agrémenter leurs pâtes pour éviter de se retrouver avec des pâtes au thon ou des pâtes à la sauce tomate ou des pâtes au fromage ou des pâtes au beurre. Ok? La recette sucrée, Annie, c'est les cakes! Faut prononcer Annie, hein, les cakes! Salut Annie! Annie, salut! MS qui est là, j'adore manger, je sais que tu adores manger, mais MS. Ah, tu as tellement maigri, mais félicitations, oui! On n'a rien sans rien! Faire des efforts, les amis, tous les jours. Si vous voulez maigrir, les amis, volonté, d'accord, persévérance, et il faut le marquer sur un papier. Objectif, vous le mettez sur la porte du frigo. Mon objectif, perdre 10 kilos. Par exemple, et vous le marquez devant votre bureau, vous le marquez partout comme quoi vous voulez perdre du poids. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est marquer, par exemple, le soir, faire une petite, comment dire, un listing, en fait, une liste de ce que vous allez faire le lendemain. Le lendemain, je me lève, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais mon sport. Le fait de le marquer, ton subconscient va mieux l'intégrer et mieux l'accepter. D'accord? Avant de dormir. C'est-à-dire que le matin, quand tu vas te lever, tu seras opérationnel. Mais marque, quand tu marques les choses par écrit, tu auras plus envie de les faire. Ton cerveau, ton subconscient va mieux les accepter. À la maison, c'est 5 fruits et légumes par jour. C'est bien, Metz. Le plat original, oui. Zarwa, bonjour. Edia, oui, ça va. Lina, salut. Louisa, salut Louisa. Et Nagrom, on vient tous. S'il y a 22 recettes. Non, tout n'est pas dans le frigo, on les a consommés déjà. Mais il y a 22 recettes, comment dire, en attente. Ok? Alors, il y en a qu'on a consommés, d'autres qu'on a donnés, d'autres qui sont congelés aussi, hein, parce que ma mère, elle a bien congelé les trucs, elle ne veut pas les perdre. Ouais, il y a 22 recettes en attente. Hein. C'est dingue. Hein. Et pendant un moment, rapide était revenu de vacances, elle a craqué. Hein. Le frigo, elle a à peine ouvert que tout tombait par terre. Hein. Sincèrement, quoi. Elle était obligée après d'ouvrir le frigo de mettre une main là pour sortir les objets, les produits apparents. Alors, il faut faire honneur à la recette de maman de Rabinou. Eh, maman de Rabinou, il n'y en a que pour elle, sincèrement. Il y a 11 recettes à moi et 11 recettes à ma mère qui sont en attente. Donc, j'essaie de ne pas tout publier en même temps parce que sinon vous allez en avoir marre. J'essaie de jongler comme ça. Alors, on va redescendre en bas encore. Marcelo, Tunisie, Tunassi, chanson. Pas compris. Québécois, ici, il y a des Québécois. Je pense, ouais, qu'il y a des Québécois. Je sais tenter le coup par qu'on vienne tous. Oui, Enagram, tu peux venir avec plaisir. Hein. Alors, salut depuis la Belgique. Oui, salut Rachel. Annie Perret, donc il demande si c'est des Québécois. Salam, un plat qui peut se congeler facilement. Ouais, tu peux le congeler, mais t'amuses pas à garder au congélateur pendant des mois, quoi. Oui, tu mets ça dans une boîte. Tu le congèles, bien sûr, après tu peux le réchauffer sans problème, avec plaisir. Au contraire, hein. C'est des trucs que tu peux congeler, effectivement. Hein. Tu sais, dans les plats, à partir du moment qu'il n'y a pas d'œuf, tu peux congeler n'importe quel plat, pratiquement n'importe quel plat.
Quand tu mets des œufs, c'est délicat, d'accord? Alors, ensuite, Moussa, salam alaykoum Rabbi Malou ou Rabinette? Rabinette, elle est occupée là. Elle est occupée, mais elle va reprendre ses vidéos, les amis. Hein. Alors, Annie Perret qui est du 77. Oui, Annie Perret, ça fait plaisir de savoir que t'es pas loin de chez moi là. Moi, je suis du 94, les amis. Sabrina, coucou. Bon, les amis, il est temps que je déguste là, hein, parce que moi j'ai faim, les amis. Hein. Vous avez vu, hein, comme d'habitude, j'ai sorti deux fourchettes, donc une petite fourchette virtuelle pour vous. Hein. Voilà pour le courrier, les amis, hein, pour déguster donc virtuellement. Et une fourchette pour moi pour déguster donc en direct devant vous, les amis. Ah là 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 là. Salut Tonio, passez une bonne journée. Bye bye. Alors, bon appétit, merci. Les recettes de maman, ce sont toujours les meilleures, Isabelle. Oui, Oujda Maroc, salut Sabrina. Super, bise à ta mamounette, Rabat. Oui, ma. Ouais, mais chaud pour moi. Non, mais il voit bien, parce que moi, il faut que tu me voyes aussi. Ah, ma mère, elle râle. Elle pense que j'ai sorti le cac du champ de la caméra et qu'on voit comme au plat. Ah, mais surveille! Ah bien? Ah bien? Ok, merci maman. Oh là là, les amis. Claudine, c'est l'heure du goûter. Oui, j'aime cette recette Alice, tu vas te régaler. Salut Ruby de l'île Maurice, depuis le Sénégal. Ami, bonjour. Lina, tiramisu pour le prochain live. Tiramisu, tu veux? Ouais, alors prochain live, attention parce qu'il va faire super chaud là. Et je peux pas monter de crème mascarpone ou quoi quand il fait chaud. Je l'ai fait en direct une fois. Il faisait 36 degrés, je pense. La crème, elle n'a pas voulu monter, les amis. Hein. Ok. Alors, Yasmine, elle est morte de rire. Monique Durival, bisous à toute la famille. Merci, bisous à toi aussi, Monique. Allez, les amis, bismillah, attention, maman. Oui, maman, tu es sur tout là, ça te fout de ouf. Bah, toujours l'impression que je suis petit, quoi. Allez. Oui, Martine, salut Martine. Ben, justement, je passe à la dégustation. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous décortique rapidement ce que c'est. Donc là, nous avons un cake réalisé par ma mère. C'est le cake de mon enfance. C'est le gâteau qu'elle me faisait quand je rentrais de l'école. Donc c'est simple. Farine, œuf, sucre, un petit peu d'huile, de la levure. On a du lait dedans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans, ok? Mais c'est extrêmement bon. Il y a aussi il y a de l'anis aussi. Ouais, anis et puis une autre épice. Essayez de me dire dans les commentaires si vous connaissez l'autre épice, les amis. Ok? Et ici, très simple. Ici, on a récupéré donc, alors, une base très simple. J'ai cuit des pâtes à l'eau hein, au départ, d'accord? Ensuite, je vais partir dans une poêle. Écoutez-moi bien, Annie. Dans une poêle, je vais partir des oignons avec un petit peu de basilic, il me semble. Et j'ai fait revenir donc les oignons. Ensuite, j'ai déposé donc les pâtes cuites dedans. J'ai mis de la crème liquide. J'ai laissé réduire un petit peu, ok. Après, par-dessus, j'ai poêlé donc des poivrons avec des aubergines confits que j'ai fait confire moi-même au four. J'ai déposé des tomates cerises par-dessus. Et après, j'ai récupéré des courgettes. Je les ai coupées en tranches, ok. Je les ai légèrement grillées. Et ensuite, j'ai fait une farce et j'ai roulé la farce dedans. Simple comme salam alaikum. Et par-dessus, j'ai déposé un petit peu de fromage comme ça. Et le plat, ça fait à peu près 2 heures qu'il a cuit. Hein. C'est pour ça qu'il est, voilà. Il est comme ça. Ok? Très simple. Donc là, on va passer à la dégustation, les amis. Avec mon petit. Alors, je mets votre fourchette là. Hein, si vous arrivez à passer la main à travers l'écran, bismillah, les amis. Hein, servez-vous. Hein. Ok. Donc ici, j'ai le couteau au Pinel, les amis. Couteau au Pinel pour ceux qui veulent le commander. En ce moment, je sais que vous êtes nombreux à le commander. Je vous en remercie énormément. Donc en fait, le lien, vous l'avez en bas de la vidéo. Je vous le mets tout de suite. Hein. Sinon, dans les autres vidéos, vous l'avez. Et vous pouvez graver ce que vous voulez. Vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide. Okay, vous avez l'ensemble, vous avez moins 10% sur l'ensemble du panier. Je mets le lien tout de suite et après, je passe à la dégustation. Les amis, bismillah, franchement, on va se régaler. Enfin, on va se régaler. Je vais me régaler. Hein. Il y a la fourchette qui est là. Hein, si vous arrivez à passer la main à travers l'écran. Le premier qui arrive à faire ça, mais il va goûter, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Il faudra juste rafraîchir donc votre page. Et vous allez pouvoir bénéficier de ce couteau magique. Il coupe super bien. Attention à vos doigts. Hein. Donc là, je colle, je confirme. Vous rafraîchissez la page. Et vous le voyez apparaître juste en dessous, les amis. Hein. Alors, là, je rafraîchis la page tout de suite. Ah ben oui, il faut bien que je goûte devant vous pour m'assurer que c'est bon. Attends, Annie. Tu ne vas jamais manger. Si, si, j'ai mangé là.
Donc vous avez, voilà, si vous voulez commander le code, et vous avez la couleur que vous voulez, il y a du vert, il y a du rouge, il y a vraiment ce que vous voulez. Et ce couteau, il coupe super bien d'ailleurs. Je vais vous le démontrer tout de suite. Alors, je commence par quoi les amis? Dites-moi, est-ce que je commence par le cake, le gâteau, je commence par le plat principal, donc le plat original. Vous me dites? Alors, je vous écoute, j'attends, je regarde. Je commence par quoi? Ah, tu nous fais venir. C'est le but, hein, le but c'est ça. Hein, c'est de vous mettre dans la bouche. Salé, non, le plat principal. Plat, plat. Dites-moi les amis, vous voulez le plat ou le sucré? N'hésitez pas à me dire en même temps si vous voulez que demain je vous fasse une recette sucrée ou salée, hein, d'accord? En direct à 16h. Le plat, le plat. Isabelle, c'est pas un cake, c'est un cake! Un cake! Ok? On appelle ça le cake. Le plat principal. Bravo. Oui, alors on y va. Plat principal. Je vous montre le couteau qui coupe. Bismillah. Bismillah. Donc là, je vais me récupérer un morceau de viande. Oh, les amis. Allez, le couteau. Le couteau, il coupe net, les amis. Hein. D'accord? Alors, on l'a fait il y a 2 heures le plat. Si vous le sortez tout de suite du four et que vous le servez aussitôt, vous aurez énormément de jus. Alors, on va essayer de ne pas renverser. Les amis, vous voyez ou pas? Bismillah. Extraordinaire, les amis. Je dis pas ça pour me vanter. Hein. C'est super bon et facile à réaliser. Délicieux. Je suis pas mangeur de pâtes, mais là, j'ai quand même envie de replonger la cuillère dedans. Parce que les pâtes avec la crème liquide, les oignons, ça a énormément de goût et le fromage. La vie est belle, les amis. Hein. C'est super bon. T'inquiète pas, je vais pas m'étouffer. Je vais pas m'étouffer. Allez, on y va pour le cake. Waouh les amis, regardez-moi ça. Bismillah. Recette salée pour demain. Dites-moi si vous voulez pour demain à 16h que je vous réalise une recette salée ou sucrée. Hein. Et n'oubliez pas que le mercredi et le samedi après-midi, je vous réalise des recettes de soit sucrées, soit salées. Bismillah. Je pars en enfance, les amis. Ouais, franchement, avec le thé, les amis, je pense qu'on va se régaler. Ouais, franchement, les amis, on va se retrouver demain pour la vidéo. C'est pas que je vais vous quitter tout de suite pour manger, mais là, franchement, on va faire chauffer le thé à la menthe, le café au lait. Je prends mon goûter. Je vais laisser passer 3 heures et ensuite je vais faire ma séance de sport pour éliminer tout ça parce que là, c'est une tuerie. Donc vous avez vu les amis, cuisiner facilement le soir à la maison, au lieu de vous faire des pâtes ou des conneries en fait, des frites ou n'importe quoi. Apprenez à cuisiner, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à suivre donc les étapes par étapes ce que je vous montre donc sur ma chaîne YouTube. Et vous allez faire des heureux et des heureuses. Franchement, cuisiner, c'est pas du tout compliqué. Hein. Ok? Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous aime, je vous kiffe. Grâce à vous, la chaîne elle est en train d'exploser. On a de plus en plus de monde qui s'inscrit sur la chaîne. Merci à tous. Je vous kiffe. Je vous retrouve demain matin. Alors demain matin, non, pas demain matin. Je vous retrouve demain après-midi. Ok? Et alors mes enfants m'ont dit amène-nous à Euro Disney. Je vais voir demain si je les amène à Euro Disney, si on rentre tôt ou pas. Je vous tiendrai informé. Si je rentre tard, c'est pas grave. Je vous ferai la vidéo plus tard ou plus tôt, les amis. Je vous kiffe. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain matin. Et demain après-midi, et demain de la journée. Bisous, bisous, bye bye.